Salut à tous, c'est Wolf et soyez les bienvenus dans l'arbre de Jinso pour une nouvelle aventure d'Ori and the Blind Forest. Et il va falloir retirer tous ces picots de la partie gauche du cœur. Alors c'est parti. Et là ça... Oh, là ça promet. D'accord. Tout va bien. Oh yeah. C'est bien, toi t'es mort. Ah, et puis toi t'es trop loin. Merci. L'autre se suicide exprès. Attends, dégage, 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 dégage. Ouf. Et puis j'ai aucune sauvegarde en plus, c'est ça le problème. Ah, attendez. Ça marche ça? Ah, c'est aussi simple que ça? Alors que ça m'avait pris tant de temps à dégangréner la partie droite. Wow. Ah, c'est la partie haute qu'il va falloir dégangréner, je pense. À moins que... Oui, oui, c'est ça. On l'aura bien compris. Bon. J'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose, hein. Ça, si, histoire de récupérer ce petit bonus-là, mais bon, c'est pas nécessaire. Enfin, je pense. Nous pouvons à présent rétablir l'élément des eaux. Il ne nous restera ensuite que deux autres éléments à raviver. Ah non, 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 pas de ralentissement comme ça, hein. Pas de... Non.
Non, pas de ralentissement, j'ai dit. Wow. Wow. Il va falloir trouver le sceau des Guman dans les bois brumeux. Nous voici donc dans un élément. Plutôt dans un nouvel environnement avec un nouvel élément. Il y a de l'eau. Et le portail aux esprits s'ouvre avec deux clés. Donc, il va falloir sauter. Hey. Ah, vous avez entendu ça? Les petits gémissements d'Ori, oh c'est trop mignon, je fonds. Wow. Il a pas envie de sauter dans l'eau. D'accord, il aura réussi à m'avoir avec juste un coup de tête, lui. Bon, déjà, on va descendre un petit peu, on va voir ce que ça donne. Vite, 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 il faut remonter. Alors, voyons voir ce que ça donne. Respire un petit peu. Là, je sais pas où remonter, il faut que je remonte vite. 5, je vais mourir. Rah, c'est abusé. Là, on peut pas passer. Vas-y, viens par là, pépère. Viens. Vas-y, n'abuse pas.
Je peux pas utiliser mon pouvoir non plus. Yes! Par ici, il y a quelque chose. Bien. Et ici, il y a une nouvelle sphère de compétences. Ça pourrait être pas mal à récupérer, ça. Bon, alors, voyons voir un petit peu ce qu'il y a à faire. Il faut récupérer deux portes. Enfin, plutôt deux clés pour ouvrir la porte. Et il faut descendre. Alors, descendons. On va pas perdre de temps. Ah oui, c'est lui, appuyez sur espace pour aller plus vite. Ah non. Ah mais regardez. Non. Bah là, la sauvegarde, elle est pas possible dans l'eau. Hein. Faut impérativement rester accroché. Bon. Oh là 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 là, mais moi je vais me faire avoir à coup sûr. Quoi ? Sauvegarde. Voilà, comme ça je regagne 2 points de vie supplémentaires, c'est pas négligeable. Non! J'ai dit que c'était pas négligeable. J'ai ma clé, elle a été sauvegardée, donc tout va bien. Ah! Ah! Lui qui est encore en train de nous éjecter ses détritus. Il ne connaît pas le tri sélectif, hein, ça c'est clair et net. Et en plus ça explose! Bon, je le savais déjà, mais. Là, bon bah j'ai la pierre carte et les deux pierres clés. Que demander de mieux? Oh, si, je sais. Une sauvegarde. Pas déconner. Vite, non, 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 non. Mais bah j'ai eu raison. Je me suis surestimé. Ah. Là, j'ai loupé mon coup. Allez. Fouf. N'importe quoi. Oh, n'importe quoi. J'avais vu qu'il y avait un petit passage secret par ici. On va essayer de s'y aventurer parce qu'on n'est jamais à l'abri de récupérer un point de vie supplémentaire. Ah, c'est abusé. La partie est déjà sauvegardée, donc on peut rien faire. Allez, hop, c'était pas possible.
Mais c'est abusé! En plus, c'était juste pour ça, une petite boule de. Une petite boule bonus. C'est juste ça, quoi, en fait. C'est une petite boule bonus, mais c'était pas un point de vie en plus. C'est pas tant pis. Hop. Ah, on va pas perdre de temps. Enfin, quoique, je suis quand même un petit peu énervé. Ouais, enfin, quoique, ouais, non, tant pis. Ouais, c'était juste une petite. Sauvé. Voilà qui est parfait. Ça fait du bien de revoir des environnements beaucoup plus vivants, si je puis dire. Là, la végétation est meilleure. En plus, là, c'est cool, il y a de l'eau. Les bruits de respiration d'Ori sont mais cuteness overload. C'est sublime. Et voilà. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, peut-être falloir. Ah ouais, non, maintenant c'est 2 points de compétence par 2 points de compétence, donc ça risque de d'être limite. Mais non. Ah, oh, c'est abusé. On va refaire une sauvegarde et on va regagner 2 points de vie. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen. Sur un sol instable, je ne peux pas créer de lien d'âme. C'est quoi ces conditions? N'importe quoi. Allez, Ori, mon pépère, vas-y, saute. Oui, voilà, c'est bien. Oh yes. Non, non. Tu peux rester là. De toute façon, t'es moche. On veut pas de toi. Enfin, quoi que si, en fait. En fait, si. Oh! Un nouvel arbre. Ilo, le plus robuste des esprits, le plus puissant qui soit, devenu cet arbre ancestral, il repose désormais ici. Et bien, dans ce cas-là, donne-moi ta lumière. Tu maîtrises à présent la compétence écrasée. Pour l'utiliser, appuie sur space pour bondir dans les airs, puis sur S pour plonger vers le sol. Donc en gros. Ah, ça c'est bien! Ah, bah, je l'attendais depuis, mais tellement longtemps celle-là. Allez, vas-y. Ça c'est bien ça. Ça c'est nickel. Oh, attendez, j'ai l'impression qu'on est de nouveau. Ah non, on n'avait jamais exploré cette zone. Mais nous sommes de nouveau dans le marais Malépine. Ah oui, là c'est. Oui, on était ici et là on est en train d'explorer toute cette zone là. Oh, mais ça ne s'utilise pas dans l'eau cette histoire. Ah, une nouvelle sphère de compétences ici. Utilisons le pouvoir quand même. Ah. Doublé de touche. Ah bah là ça marchera pas. Gros bobo mais c'est tout hein. Ah. Et ouais. Et voilà. Aussi simple que ça.
Ça, c'est vraiment les restes de Donkey Kong contre Returns, hein, ça je vous le dis. Hein, ça... ah. Wow, purée! Ah, j'ai pas compris. Je ne sais pas comment on fait pour le battre, ce bestiau. Ça, le problème. Je saurais comment le battre, mais j'en sais absolument rien. C'est ça l'enfer. Ah, c'est ça. Non, ça, ok. J'ai compris le truc. Il faut faire des... Ben, j'avais pas la bonne compétence pour le tuer. C'est pour ça que ça marchait pas. Et voilà. Et comme il est désintégré, la porte s'ouvre. C'est une porte à monstre, ça. Oui, bien sûr, jetons-nous dans les ronces pour fêter ça. Juste pour récupérer ça. N'importe quoi. Ok. Bon. C'est moi qui me suis fait désintégrer cette fois-ci. Alors certes, j'ai eu ce que je voulais, mais maintenant... Je suis censé passer par où? Ah, la pierre carte. Oui, il faut que je retourne à la pierre carte. Finalement, c'est une bonne chose. Voilà. On va retourner à la pierre carte, on saura par où passer, on aura tous les bonus d'affichés sur la carte, ce sera très bien. D'ailleurs, ça va me permettre de prendre une revanche sur le rhino qui se trouve ici. Oh, yes! Pierre carte, je t'en prie, montre-moi le chemin. Là, il y a toute cette zone ici qui n'a pas été explorée, mais je me demande vraiment ce qu'il y a en haut. Bah, je pense qu'on pourra le voir seulement quand on aura la capacité de voler, je pense. Alors, attendez. Il faut sauter dans l'eau déjà, je pense. Ah, ça marche pas. Je suis censé faire quoi ? Pas, hein. Dans l'eau on peut absolument rien faire. Ouais, bah, j'aurais essayé, mais là c'est un échec cuisant. Par où passer du coup? Repasser par là peut-être, on pourra aller choper un bonus, ce sera déjà ça de prix. Petit bonus qui fait toujours plaisir. Je suis chonchon un petit peu quand même parce que vous rappelez de ce bonus que j'avais vu ici. Dégage. Et toi tu t'en vas. Mais même pas en rêve. Ah ça m'énerve ça. Bon là je vais aller récupérer de l'oxygène déjà. Là, je vais sauvegarder. Je repars avec 3 points de vie, comme la dernière fois.
C'était juste pour ça, ouais. Ouais, basiquement, c'était juste pour ça. Bah, c'est bien, ça rose entre elles, les machines. J'ai foncé dedans, quoi. Comment j'ai réussi à confondre? Deux touches. Bon. Vous savez quoi? Tant pis. On a bien vu, hein, c'était juste un bonus de compétences. Ce n'est pas ça qui va nous aider à gagner davantage de... Au secours, hein. Voilà. On aura le droit à 3 secondes de vie supplémentaire, ce sera déjà ça. Les remonte, mon pépère. Vas-y. Peut-être pas l'appeler mon pépère, mon petit, peut-être, c'est mieux. Alors là, je dois vous avouer que je suis un tantinet bloqué. Quoique non, pas complètement bloqué, parce qu'il faut... On peut passer par en dessous aussi, passer par ici. Bah oui, donc allons-y. C'est une zone que nous n'avons pas explorée, donc allons-y. Wow. On se calme, Ori, voyons. J'aime. Oh non, puis en plus j'avais fait la sauvegarde ici, c'est abusé. Bon, allez. J'ai trop hésité à aller par ici, donc là je suis obligé d'y aller. Je l'ai rembarré. Allez, sauvegarde. Sur un sol instable. Depuis quand c'était instable? N'importe quoi. Ah mince. Oh, oh. Hey. Tiens, c'est bizarre. Je suis censé faire quoi, là? Ah! D'accord. Oula! Ah, d'accord. Voilà, là je l'ai. Parfait. Mais là je peux pas passer. C'est ça le problème. C'est que je ne peux pas encore passer. C'est... Là il y a des trucs. Ah, mais attendez, l'eau s'est passée. Donc du coup je vais pouvoir remonter. C'est ça le truc. Vous vous rappelez lorsqu'on avait vaincu le Triceratops? On pouvait pas... Je pouvais pas abîmer le pont pour la simple et bonne raison qu'il était couvert d'eau. Or là, vu que l'eau s'est écoulée, ça signifie que je vais pouvoir l'exploser sans problème. Oui, enfin, si je me fais pas manger par les piranhas d'abord. Ah, attendez. Ah bah oui, forcément, je suis obligé de tout recommencer. Oh, c'est abusé. Maudit piranha. Vraiment. Ah. Petite boule de compétences supplémentaires. Voilà, partie sauvegardée. Il ne me reste qu'un seul point de vie, donc il va falloir que je fasse fi ça. Hein.
Ah bah je l'avais tué. Allez, go. Wow. Ah merci compétence qui me redonne 2 points de vie à chaque fois que je sauvegarde. Allez, au revoir. Et là. Voilà. C'est ça que je parle. Sauveur. Bah ça c'est un succès. Comme quoi j'ai sauvegardé tant de fois, j'imagine. D'accord. Voilà. Ça c'était gratuit. On peut continuer par ici. Il faut faire attention. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, bon. Il y a sûrement autre chose, mais j'ai pas envie de tenter le diable. Je t'ai tué avec ton propre projectile, ça t'apprendra. Et on retrouve la grotte sélénienne. Il va falloir retraverser tous les niveaux. Parce que c'est là qu'on nous attend. Là ça promet quand même. Le problème, c'est que moi, je ne suis qu'à 6-6. Je n'ai pas encore trouvé de sphère et je suis sûr que j'en ai loupé plein. C'est ça qui m'énerve. Parce que si on jette un petit coup d'œil au tableau, je n'ai que découvert que 3 sphères de vie. J'ai certes trouvé 6 sphères d'énergie, mais c'est pas suffisant. 111 morts jusqu'à présent, on en est à presque 5 heures de jeu. Au revoir. Là ça fait one shot hein, par contre. Bon là y'a rien. Oh ouais bah ça fait one shot mais y a pas que ça qui fait one shot. Ah c'est ça que je vais faire moi pour tuer les ennemis. Le problème c'est que là pour le tuer j'ai fait un sacrifice de points là. Ok. Là, on va pouvoir repasser dans des zones qu'on n'avait pas explorées à cause justement de ce manque de points. C'est ça que j'ai envie de faire. On va voir si on arrive à trouver une autre sphère là. Ça pourrait être sympathique avant de se quitter. Parce que là, l'épisode commence à être un peu long. En plus avec tous les pouvoirs qu'on a... Ah non, ah, apparemment le jeu ne le souhaite pas. Oh là là, d'accord, ça y est, je vois où on est. Ah oh là là, c'est là où Goumo s'est échappé là, là. Ah ça remonte. Yes. Voilà qui nous fait un joli bonus de compétences. Voilà qui est très très bien. Nous sommes de retour dans la grotte sélénienne. Ah non, on est de nouveau dans le marais Malépine. Ça ne tient pas à pas grand chose. Hein. Vraiment. Merci la pierre carte. Bon, j'imagine qu'il existera le même pouvoir ici pour monter, en fait, hein, faire une charge vers le haut. Ça, j'ose imaginer.
Il nous faut ouais, le parachute. Ça donne un truc, un rapport avec l'escalade. Ça doit être pour être rester accroché au mur. Ça doit être ça, le bon, j'imagine. Mais bon, c'est verrouillé pour le moment. Il nous reste 3 pouvoirs à débloquer. Ici, ça n'avait pas été exploré. Et moi, c'est là qu'il faut que j'aille. Donc allons-y, mettons-nous en route. Ah, c'est abusé. J'ai pas eu. Yes! Une cellule de compétence qui octroie un point de compétence. Parfait. Et vous voyez, hop là, je suis passé à 4. Ah, j'avais oublié que ça pouvait l'avoir comme ça aussi. Et voilà. Et de 3, un point de compétence supplémentaire, ça m'en fait 3. Allez, laissez-moi tranquille les monstres. Mais maintenant, je vais pouvoir me servir de leur pouvoir. Alors, on va d'ailleurs se servir de ça. On va aller dans les compétences. Puisque j'ai 3 points, on va pouvoir continuer. Frapper efficient de flamme pour la frappe ultra, qui permet de foncer à travers les ennemis. Les bonus d'énergie récupérés octroient 50% d'énergie en plus. Ou encore, permet à Ori de respirer sous l'eau pure. Ah, ça c'est puissant ça, pour respirer sous l'eau pure, c'est clair que c'est très très intéressant. Mais ça demande 2 points de compétence. Et ça pourrait m'être très utile. Oh, je sais pas. Allez, frappe ultra, tant pis, c'est pas grave. Ah, je vais regretter, je le sens, mais au moins j'ai un pouvoir supplémentaire. Ça va tellement vite, c'est dingue. Oh bah avec ça, ça ira très vite pour récupérer les... Ah, j'aurais dû me servir de leur lumière pour remonter. C'est cette zone-là. Ah mais oui, c'est cette zone-là que j'ai pas pu explorer. Ah mince. Quelque chose là? Y'a rien. Bon, on va falloir... Ah, attendez. Ah, c'est là que nous étions. J'ai remonté un petit peu, on va voir. Ah, mais surtout qu'en plus, moi, c'est là que je voulais aller. Mince, je suis monté... Bah voilà. Je suis monté trop haut. Laissez-moi tranquille. Au revoir. Hey. Elle est là, ma sphère de compétences. Oh, je me rappelle être passé par là. Et voilà! Yes! Une cellule de compétences supplémentaire. Et regardez! Il y a une Triforce. Magnifique! Une Triforce par ici. Oh, le joli Easter Egg! Bien! Alors. Ah bah c'est parfait. La partie est sauvegardée et on va pouvoir
Alors, soit on gagne 50% d'énergie en plus, soit on respire. Oh, on respire sous l'eau, voilà, c'était trop tentant. On respire sous l'eau, voilà, ça nous fait quand même pas mal de bonus acquis. Et ça va me permettre de vous dire au revoir, parce que l'épisode a été sacrément long, mais c'est un tel bonheur ce jeu que je suis obligé de continuer. En plus, je suis passé à côté de plein de choses qui sont hyper rageantes, j'en suis sûr. Mais voilà. Mais voilà, ça risque d'être vraiment vraiment sympa. Ça c'était la grotte sélénienne. Oui, ça c'est là on était tombé par ici, effectivement. Là il y a toujours une zone qu'il faut continuer d'explorer. Bon, apparemment j'ai tout exploré ici. Bon, sauf là, il faudrait que j'essaie de redescendre pour voir ce que ça donne. Je le ferai peut-être hors caméra et je prendrai seulement ce que j'aurais trouvé en vidéo pour vous montrer un petit peu, faire un retour arrière. Il y a ça. Moi je suis là. Ah, la vache. Ça veut dire qu'il faut que je redescende. Là, il y a pareil, il y a des trucs à casser. Là, c'est une zone aquatique. Ah, il y a énormément de choses à faire. Bah, vous savez quoi, les amis? Marée Malépine, je suis à 92%. Il y a encore ça là, il y a encore cette zone là, et là on aura tout exploré. Marée Malépine, il n'y a plus rien à faire là-dedans, donc c'est parfait, on pourra en sortir. Et je pense qu'on continuera à explorer ces zones ici. Mais pour le coup, là on va s'arrêter parce qu'on a bien besoin d'un petit peu de repos, juste à côté de la Triforce. Tiens, ça va nous donner des forces. Prenez bien soin de vous les amis, à très bientôt sur Game & Wolf. Salut!